Désirez-vous vraiment quitter ce royaume? Cliquez à nouveau pour confirmer. Patron, j'ai entendu parler de l'existence d'un autre groupe de survivants au volcan des Aztèques. Des archers auraient réussi à s'enfuir tout seuls après notre départ. Il faut les retrouver. Nous avons grand besoin de soldats de cette trempe. Soldats ou pas, nous ne pouvons pas les laisser tomber. Ils sont dans un autre royaume. Il faut aller les chercher. Ouais, des archers. Alors qu'est-ce qu'on attend? Le coin n'a pas l'air trop mal. Nous devrions pouvoir le conquérir sans trop d'efforts. Encore plus de combats. Oh, ça me plaît, ça. Mais en étant impressionnant, pas besoin de verser de sang. On peut gagner autrement que par la violence. Il ne semble y avoir aucune opposition. Et regardez, les archers disparus. Oh,
Quelle jolie petite ville à mettre à sac. Oh, je vais me plaire ici. C'est quoi ça? Un autre portail? Qui a fait ça? Les rumeurs annonçant le retour des Grecs sont fondées. Mon frère m'a envoyé protéger cette île, et c'est bien ce que je compte faire. On dirait un commandant tribal, boss. Il faut nous mettre au travail rapidement. Ces Japonais semblent très doués niveau construction. Il nous faut des armées aussi, boss. Ils m'ont l'air de féroces combattants. Voyons, voyons. Nous disposons de 50 guerriers. Pas mal. Ne faiblissez pas. Oui, chef. Une nation en guerre a besoin de ressources. Cet entrepôt en sera plein. Construisez des remparts dans votre zone d'influence. Ils peuvent se terminer dehors, mais pas dans une zone d'influence ennemie. Ce mur ne vous protégera pas de la splendeur de notre cité. Hé, boss, nous avons assez de points d'offrande pour bâtir une garnison d'archers. Profitons-en. Ce mur a-t-il été conçu pour nous empêcher d'entrer ou pour empêcher leurs esclaves de sortir? Ainsi, les Grecs se cachent derrière des remparts. Aucun problème. Je persuaderai leur peuple d'en sortir. Il faut plus de prisons. Une nation en guerre a besoin de ressources. Cet entrepôt en sera plein. Leurs terres vont bientôt leur fournir de quoi se nourrir. Les hordes grecques ne sont pas à la hauteur. Comme le disent les sages, ne crains pas ton ennemi. Ils projettent de faire des réserves pour le futur. Ce conflit risque de durer encore un certain temps. Ceci leur permettra de stocker suffisamment de ressources pour que ce conflit dure pendant des années. Je dois bien admettre que les villes grecques ont un certain charme. Nous sommes maintenant en mesure de loger notre peuple. Excellent. L'architecture grecque est robuste.
je les ai sous-estimés. Leur ville s'étend rapidement. Disciple fermier. Disciple fermier. Disciple reproducteur. Disciple reproducteur. Disciple bâtisseur. Disciple forestier. Disposons de maisons pour nos guerriers, même s'ils préfèrent être sur le champ de bataille. Leur villa dégage un certain charme. Ces Grecs ne devraient pas être nos ennemis, mais nous devons les affronter. Ce sont les ordres des Aztèques. Montez sur les murs! Les guerriers mangent beaucoup. En fait, deux fois plus que les autres. Surveillez donc de près vos réserves. Je les ai sous-estimés. Leur ville s'étend rapidement. Thank you.
Les enfants, c'est l'avenir. Mais il faut bien s'en occuper. Ce sont donc des magiciens. Jamais ils ne seront à la hauteur de ma cité. Les Grecs ont une formidable cité. Mon peuple doit se surpasser. De futures générations de Grecs arrivent sur cette terre. Pourquoi mon peuple se déshonore-t-il en rejoignant le camp de mes ennemis? Vous pouvez toujours bâtir des cités. Vous n'égalerez jamais la mienne. La garderie permet d'élever les honorables guerriers de demain. Cet habitat serait digne d'un empereur. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de sanctuaire magique? Les gens sont plus heureux lorsqu'ils ont accès à un marché. Nous disposons désormais d'un marché. Les Japonais sont des commerçants et des bâtisseurs dans l'art. Ces Grecs accroissent leur territoire. Nous devons rester vigilants. Commencer la construction de la merveille de la sirène. Oh, chagrin! Nous disposons désormais d'un marché. Les Japonais sont des commerçants et des bâtisseurs dans l'âme. Si les Aztèques ne nous tenaient pas sous leur coupe, nous pourrions en finir avec ce conflit. Nous n'avons aucun réel grief contre ces Grecs. Ces gens nous rejoignent et adhèrent à notre code d'honneur. Leur force nous sera très utile. Achetez le pointage dans le menu offrande. Davantage de partisans. Notre force augmente avec le nombre. Nous ne pouvons échouer. Élève moine, voici venue l'heure de passer ton épreuve. Détruis ces blocs en te servant de ton chi. Concentre-toi, mon garçon. Oh,
doit faire mal. Le pauvre, vous pourriez peut-être l'aider en détruisant les blocs à sa place. Ça me peine de l'admettre, mais le barbu a raison. Oui, tant qu'il s'agit de détruire... Bon travail. Excellent. Nous nous unissons contre la menace grecque. Notre honneur et notre puissance les bouteront hors de ces contrées. Dans cette garderie, les enfants grandiront en apprenant ce que sont l'honneur et la sagesse. Les villageois migrent pour adopter le mode de vie des Japonais. C'est très bien. Bien joué, vous avez gagné des points d'offrande. Ils viennent de prendre un nouveau village. Ah, ceux qui s'étendent trop rapidement exposent leur plan. Les Grecs sont ambitieux. Ils séduisent nos villageois. Envoyez des archers pour fortifier les remparts. Nous formerons les guerriers les plus redoutables dans cette garnison.
Je vais me délecter de voir le travail de la sirène. Disciple adorateur. Disciple adorateur. Un groupe d'immigrants attend à la frontière que vous l'acceptiez. Louez tous les dieux que vous voudrez, Grec. Ils ne vous seront d'aucune aide. Thank you.